Salut tout le monde, les bonnes soirées 51 à vous tous de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002 en mode expédition et ce coup-ci en plein air. Me voilà de retour. Ok, la Québec, est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument, mon ami Rémi. Ok. Rémi sur une expédition dans la 14 Bernard Cretel. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai une coupure d'alimentation. Là, j'ai l'alimentation qui s'est éteinte, et puis bon, ben voilà. Peut-être que je la sollicite un peu trop, oh quand même. Elle est prévue pour ça quand même, malgré tout. Hein. Là, ça doit fonctionner quand même. Hein. Oui, ça fonctionne très bien, Rémi, ça fonctionne très bien ici. On a 9 bravo Charles, 5505, Michel en mobile qui vient de manifester ici à Cretel. Michel en mobile, j'ai pas entendu. À l'avant, Michel. Michel 505, t'es encore à l'écoute? Papa Lima 28, c'est ça, je sais pas, en avant. Je ne reçois pas. Ok, j'ai pas tout compris. Oui, 14, Papa Lima 38, d'accord, ok. 9, bravo Charlie, j'ai pas compris la fin. Tu peux me revenir, Gilles, s'il te plaît, merci. Oui, Cretel, 8-2-9, Jacques. Jack, prends le micro avec Rémi pour les salutations. Ouais, j'arrive à vous entendre, là c'est très QRP, c'est très petit de mon côté, mais j'ai réussi à vous entendre. 9 bravo Charlie, 829, les bonnes 73-51 à vous, les bonnes amitiés de 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, sur le secteur de Saint-Émilion, sud-ouest de France, le pays du bon vin, voilà ce qui manquait, voilà ce que j'étais en train de me dire, mais j'ai oublié de dire quelque chose. Voilà, c'était ça, le retour de micro. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est une expédition des plus décontractées. Hein. Voilà, hein, c'est pas du tout la course, loin de là. On est une bande de copains. On aime bien nos cousins du Québec. Eh bien, on en profite. Je leur fais un petit clin d'œil, justement, en leur dédiant cette expédition. Et c'est vrai que c'est toujours très chaleureux de vous entendre. Alors, je dis chaleureux, mais c'est ironique. Avec les températures froides que vous avez, à Chi.
Moins 15, moins 20. Ah oui, quand même. Et de mémoire, samedi matin, enfin, samedi matin pour vous, d'après ce que tu m'as expliqué, tu n'avais pas pu démarrer le groupe parce qu'il y avait moins 35. Et lundi, c'était remonté à zéro. Putain, mais il y a des sacrés écarts de température chez vous, hein. Une journée, tu dois t'habiller jusqu'au cou et puis ne pas laisser le nez sorti. Et puis dans la journée, tu peux être en maillot de bain, ça va pas bien. Avec des températures comme ça, je serais curieux de voir ça en maillot de bain. Il ne doit pas rester grand chose de sortie là, pour le coup. Là. Oui, oui, parce qu'on va se ramasser qu'un petit glaçon. Ah, j'ai la moustache FM, là, des pays de l'Est. Là, derrière, c'est pas évident. Bon, on va essayer de voir quand même s'il y a d'autres stations. Parce que là, quand même, ça se ramollit un peu, là. Bon, les stations en fréquence pour la division 9, plus la petite expédition improvisée là sur le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion, en avant. Ben, un petit peu, là j'ai un Santiago 5 de QRM, de temps en temps j'ai la moustache des pays de l'Est là, qui passe derrière en FM. On a beau être aussi haut en fréquence, mais ça fait rien, ça. Ils viennent quand même de moustacher jusque là, quoi. Par contre, la température est un petit peu fraîche là. C'est, j'ai mis les gants et heureusement que j'ai pensé à les prendre quand même. Mike. Oui, ouais. L'entends? Oui, oui, mais je le connais aussi, Christian. Si je l'entends, eh bien, je crois que c'est celui qui passe le plus fort, là, sur le QTH. Voilà, pour être, vu qu'il me passe aussi fort, pour être un petit peu plus précis, je suis très exactement sur 5 colombes, dans le fin fond, là, dans le fond des vignes, qui a face à la mairie. Et là, je domine tout le secteur de Saint-Émilion qui a face à moi, quoi. Ouais, 100% que c'est là, oui, c'est un beau charité, je pense. Rémi, amitié renouvelée, et bonne santé à toi, ainsi qu'à toute la famille, voilà. Ouais, Rémi, on appelle Sainte-Colombe, c'est pas Sainte-Colombe de Duras, à toi, Rémi. Non, non, c'est Sainte-Colombe tout court. Voilà, je suis pas en push arrêté, je suis carrément en mode expédition. Voilà, je suis en train de faire, je suis en train en même temps de filmer l'expédition. Voilà, ah, là, que je recadre, je viens de faire un petit zapping là sur le lointain. Je sais pas si on verra bien. Bon, peu importe, je remets ça sur la station. Là, je suis vraiment en mode expédition, hein, totalement. C'est-à-dire que là, je suis équipé, j'ai une caisse en bois qui est composée d'un Summer Camp TS 2000DX, plus la petite boîte qui va bien là, pour donner des vitamines. Vu la température, il faut ça, c'est un minimum, hachis. Suivi d'une alimentation 50 ampères. Et le tout branché sur un groupe électrogène qui est posé dans la remorque derrière la voiture et toujours dans la remorque. J'ai une antenne et le président Himalaya qui est monté à 6 mètres de haut. Voilà, et là je suis actuellement dehors sur une table, sur une petite table de camping. Voilà, j'ai le tout qui est posé sur une table de camping. J'ai en même temps l'ordinateur à côté de moi de brancher sur internet. Ce qui veut dire que pendant que je suis en fréquence, je réponds en même temps là, sur le forum du journal des 11 mètres et en même temps sur Facebook, sur le groupe Division 14 ODR.
Voilà, bon, j'essaie de tout faire en même temps. J'ai que deux mains. J'essaie de me débrouiller au mieux, quoi. Ouais, débrouiller Rémi à 100% GSL. Oui, oui, d'accord, ok, pour l'expédition et puis pour tout le matériel adéquat et tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, tu prends le frais là-haut, je fais 8 degrés. S'il fait comme ça là-bas à Saint-Emilion, c'est bon. Ouais, je crois qu'il y a une autre station là qui s'est greffée, Daniel 92, je crois que c'est lui. Voilà, je lâche le micro, il y a Eric et puis voilà, t'as entendu. Je pense à Rémi Saint-Emilion, à toi, c'est toi 92. C'est mal, je laisse la triage libre. On ouvre les Christian sur 113. Ok, eh bien, faudra pas oublier le Québec, hein, car cette petite expédition improvisée là que je fais là sur le secteur, c'est justement là pour leur faire un petit clin d'œil. Alors je vais retourner le micro là du côté du Québec. D'après ce que j'ai compris, Gilles, votre expédition elle est terminée, vous êtes en train de plier le matériel. Tu peux nous en dire plus? Vous êtes plusieurs OM. Moi, je suis tout seul. Là, je suis tout seul. Hein. Et pour t'expliquer, là, j'ai la vidéo. Là, je suis en train de filmer, mais l'appareil, il est mis sur un pied. Hein. Voilà. Hein. Donc, il est posé sur un pied. Lui, il fait sa vie de son côté. De temps en temps, mais il faut que je relance parce que bon, l'appareil, c'est un petit Nikon. Donc, quand je filme, à chaque fois que je lance une vidéo, il me filme pour un temps limité de 30 minutes. Alors tout à l'heure, j'ai zappé le compteur. Bon, ben tant pis, j'ai relancé à nouveau la vidéo. Là, ça retourne à nouveau. Eh bien, je crois qu'au bout du compte, il va y avoir quelques-unes des vidéos envoyées sur Internet. Alors, le temps de travailler tout ça, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas mis aujourd'hui en fréquence, sur les ondes. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous aurez tous le plaisir de pouvoir découvrir un petit peu ça. J'ai filmé toute l'installation, j'ai pris quelques photos. Là, vous allez pouvoir apprécier un petit peu le côté un petit peu exotique là du secteur Hachy. On va pas savoir, tu feras le montage studio. Oui, il y a des chances. Oui, t'as raison, Eric. T'as raison, Eric. En plus, toi qui connais mon pro, ce soir, il faut que je me couche tard. Parce que là, après, j'attaque le pro vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Enfin bon, quand je dis soir, c'est pour toute la nuit, quoi. Ouais, je plaisante, aussi. Je suis en train de regarder un truc, là, Eric. Là, je suis en train de regarder mon alimentation. Qu'est-ce que je vois? La coupure de courant, tout à l'heure. Eh bien, je crois que toi, quand tu achètes du matériel neuf, eh bien, c'est pas très costaud, même si c'est une alimentation de 50 ampères. J'ai déjà l'ampèremètre dessus, là, qu'à claquer, quoi. Alors que non, là, je tire pas 50 ampères. Hein. Je vois l'aiguille de l'ampèremètre, le voltmètre est toujours levé, bon, c'est bon, ça suit. L'ampèremètre, eh bien, j'ai l'aiguille qui est à zéro. Je comprends pas trop, mais c'est pas grave. Je sais qui aller voir pour ça. De toute façon, c'est sous garantie. Je dirai pas le nom du magasin en fréquence, parce que bon, là, ça serait faire de la mauvaise pub, là, pour le coup. Hein. Eh bien, oui, c'est des choses qui arrivent, des fois. Faut pas trop faire confiance au matériel, des fois. Eh oui, mais bon, c'est quand même une alimentation de 50 ampères. Hein. Bon, je suis pas en train de râler, hein. C'est juste histoire de dire en bon français que je suis. Bon, ben, d'accord, je râle un peu, quoi. Bon, hé, y a pas que moi, là, ici, hein. Y a d'autres stations en fréquence. Je sais qu'il y a d'autres stations qui attendent derrière la porte. Pour essayer d'avoir en même temps le Québec. Alors, en avant les stations pour l'expédition DX sur le Québec, là, dans la glace, sur une cabane. Non, c'est l'inverse, dans une cabane sur la glace.
et en même temps laisser la petite expédition improvisée là sur le secteur de Saint-Émilion, sud-ouest France. En avant. Oui, affirmatif, c'est du 56-57. Il n'y a aucun problème. La radio est très claire, je t'entends fort et clair. Oui, moi pareil, je t'entends fort et clair, impeccable. Oui, ça marche bien, Rémi, de ton côté. C'est super. Bon, par la news que tu viens de dire là, à la petite info. Bon, je salue Gilles en passage. Gilles, les bonnes amitiés de Christian, le secteur bordelais. Gilles, Gattino, à toi, Gilles. Oui, merci beaucoup. Et bon, si tu te sens retourner, mon ami, Fuji, au Pelaret. Ok, oui, donc je suis Christian, les 73. Nous sommes une couple de personnes ici, Steve, bravo Charlie 666 qui est à l'écoute. Il y a Martin 959 aussi qui est à l'écoute. On a 505 qui était en mobile tantôt, Michel. 829 Jacques aussi qui est sur le côté dans 3 points de mon QTH. Ouais, affirmatif. Ouais, je sais pas, il y a pas mal de... Il y a énormément de surmodulation. Je sais pas, Gilles, si tu me fais un retour de micro. J'envoie les 2713-51 à la station là, qui vient d'arriver. J'ai pas compris l'indicatif. Et là, il y a une petite baisse de propag de mon côté et une montée du QRM en même temps. Gazou, 3, 8, 3, Québec également, enfin, Division 9 également. Non, c'est du négatif de la 14, et c'est notre ami Pierre, QSL, Rémi. Ok, bien noté, c'est voilà, je sais pas s'il m'entend, les 2713-14, Gazou, 383, de 14, Oscar, Delta, Romeo, 002, opérateur Rémi, QRZ local, Dandy 33, là, ici, sur le sud-ouest, les 2713-51 à vous, voilà, je suis actuellement, histoire de faire un petit clin d'œil aux stations, aux cousins du Québec, en mode expédition, sur le sud-ouest, sur le secteur de Saint-Émilion. Retour de micro, Gazou 383. Enregistrez le break. Merci beaucoup Pierre, je crois que les conditions hein, sont très favorables, je crois, entre les aériens, mais pas de problème, c'est ça Rémi, c'est notre ami Pierre, ça fait rire un peu Gazou, hein. Mais j'ai aussi 169 Gazou, qui est Pierre aussi dans la 14, Rémi, à toi le micro Rémi. Ok.
Ben oui, c'est un petit peu normal. Gazou, on aurait plutôt envie de dire golf. Mais gazou, c'est pas mal aussi. Hein. Au moins, on est sûr de retenir l'indicatif. Ah, je vous reconnais bien, là, les Québécois, là. toujours l'humour de présent, et vous avez bien raison. Ouais, il y a quelqu'un qui veut prendre le micro. Oui, Gilles, j'ai entendu en avant de la station. Eh, à force, je finis par plus savoir quoi dire. Je vais être obligé de déboucher ma bière là maintenant et de commencer à me la taper, quoi. Eh, je commence à avoir soif, moi, à force de qu'on me retombe toujours le micro. Et vous, au niveau du Québec, qu'avez-vous à nous raconter? Comment s'est passée là votre expédition là dans l'ensemble? Ah, hélas, j'ai pas tout compris. C'est bien dommage parce que là, j'ai entendu que tu parlais justement du poisson que vous avez pêché. C'est bien dommage. Est-ce que tu peux mettre un petit peu plus de confort de ton côté? Est-ce que tu peux mettre un peu plus de vitamines? Je suis pas sûr. Je pense que tu es peut-être déjà au maximum. Attends. Ouais, je suis au coup de sifflet, hein. Au coup de sifflet, je dois être à 175. Donc là, je suis pas très loin, on se tient, quoi, au niveau puissance. On est à peu près pareil. Ah, j'ai énormément de surmodulation là maintenant là de mon côté. Là j'ai du mal à comprendre ce que tu me dis. C'est bien dommage. Il m'a semblé que tu parlais d'alimentation. J'ai pas tout compris. Peux-tu me revenir en espérant que ça passe un peu mieux? Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Maintenant, tout dépend des stations qui surmodulent derrière les pays de l'Est, de tout ça, quoi. Voilà, c'est le problème, là, m'arrive de ce côté-là, quoi. Ouais, Christelle, on va faire un petit blast côté ici. Faites tourner l'antenne sur son côté, Rémi. Moi, en tout cas, je peux pas la tourner, l'antenne. Si je tourne l'antenne, il va y avoir un problème. Il faudra que je la couche par terre. Je suis en verticale. Je suis en verticale, donc j'ai pas le choix de la direction. Bonjour, Rémi. Oui, tu peux prendre Jean-Claude avec Rémi. Ok, 9 Charlie Mike 001, si j'ai bien. Qu'est-ce que je marque? Voilà, 9 Charlie Mike 001. Ok, j'ai eu un petit peu de mal à vous sortir.
Ça, j'ai une modulation qui est assez dans les médiums. Et en plus de ça, je dirais bien la barrière de la langue, mais c'est pas le cas. L'accent. pour moi, vous avez un accent que j'ai eu un petit peu de mal. Pourtant, j'ai bien tendu l'oreille, j'ai eu un petit peu de mal. Mais il est excellent, votre accent, il est excellent. Et donc c'est bien ça, 9 Charlie Mac 001. Oui, donc les 73-51 à vous, de 14 Oscar Delta Romeo 002. Sud-Ouest France en expédition en plein air sur le secteur de Saint-Émilion, pas très loin du Bon Vin. Voilà, puisque je suis actuellement qu'à 12 km à l'est de Saint-Émilion. Roger, Roger, Rémi, moi c'est 100% ici, aucune difficulté, je suis sur le côté de Ottawa, Rockland, Ontario, Ottawa. C'est pour ça, là, au côté de l'Ontario, et ma puissance est de 25 watts, 25 watts un seulement. Là. Alors, je vous salue, salutations à tous ceux qui sont à l'écoute pour l'expédition. J'ai ça sur ma page Facebook. Toutes les bons vœux retournés à toi, Raymond, au plaisir de t'entendre.